Allez, bonjour à toutes et à tous, ici Stellandron pour le 31e épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemy Within. Alors, la dernière fois, on avait fait une mission bien sympathique sur un pont, on avait réussi tranquillement, même si on avait... Tiens, on a une Annette Durand qui est une grenadière encore. On a récupéré Annette machin, là. Une grenadière. Ouais, ça c'est pas mal. Tir de la roquette perfo. C'est pas mal aussi. Hop. Même si on avait un peu tout le monde qui était blessé, ce qui m'embête pas mal. Ce qui m'embête pas mal. Enfin bref. Allez, fusil de précision plasmique. Nickel. Ça par contre c'est indispensable. Arme plasmique lourd. 2. Allez hop, l'arme plasmique lourde. Production. T'es sérieux? 240! Oh mon dieu. Bon bah marché gris les mecs. Hein. 240, c'est énorme. On va vendre un ordinateur de vol. Ça va. J'aimerais bien pouvoir vendre en fait mes... mes trucs dont je me sers plus. Oh là là. Liste des soldats, sniper. Hop, on va l'équiper rapidement, comme ça on ne l'oubliera pas. C'est à quelle puissance? 8, 10. Dégâts critiques 14, 16. Oh la vache. Ça va être un sniper, mais je vous dis pas. Le meilleur sniper du monde. Donc à la roquette d'Amérique du Nord qui va s'arrêter. Ah ah. La cellule d'exalt est exposée. D'accord. On a un sabotage. On va envoyer un Gugus. Si possible qu'il n'a pas fait trop de missions. Ouais, toi c'est pas mal. On va bientôt savoir où est-ce qu'elle est la cellule d'Exalt. Enfin là. Le centre de commandement d'Exalt. Arme plasmique lourde. Ok. Arme plasmique lourde. Canon à particules. AML plasma. Donc l'arme plasmique lourde c'est pour les grenadiers. L'AML plasma. D'accord, c'est pour les AML. Et le canon à particules. Waouh. Ça c'est pour les CEM. Pistolet plasmique, on va pas le faire, ça sert pas à grand chose. Le nouvel avion, c'est pas mal aussi. Mais est-ce qu'on ne devrait pas faire les hyper-ondes? Allez, on va faire les hyper-ondes. Ah ah. On reçoit plusieurs demandes d'assistance. Les tentatives d'enlèvement actuelles sont marquées sur l'hologlobe. Ok. Je pense qu'on va prendre les États-Unis parce que globalement la panique mondiale est très basse et ça donne des sous même si la mission est très difficile. C'est pas très grave, normalement on a notre grosse équipe de malades. Alors attendez, on va récupérer tous nos colonels. Donc notre grenadière. Rends-moi les medikits. Voilà, là on a notre équipe de malades avec que des colonels. Pourquoi t'as juste ta grenade frag toi? Voilà, on va t'équiper avec ça. C'est pas mal. Avec ça on est pas mal. On est même très bien. On peut pas faire une... nouvelle armure. Nap. Bon allez, on va faire ça. On va faire avec ça. C'est parti. Déployez-vous, Strike One. Alors.
Évidemment, comme d'habitude, neutraliser tous les ennemis et retrouver et sécuriser les conteneurs de mêlée. Un enlèvement est en train de se dérouler dans un centre urbain très peuplé. Si nous laissons faire les extraterrestres... Allez, c'est parti. Centrale, ici Rapace. Donc... Spike s'apprête à atterrir. On attend vos ordres. Compris, Rapace. Je vous reçois 5 sur 5. Strike One, alpha vert pour se déployer. Ok, une mêlée là-bas. On va se diriger vers la mêlée, tout doucement. J'y vais. J'ai le matos en visuel. Ah oui, quand même rapidement, parce que vu qu'il reste 3 tours. Allez, on reste groupé, parce que sinon on va se faire prendre à revers par des saloperies, je pense. C'est quand même une mission très difficile, donc ça sent les soucoupes. Les mectoïdes. Alors je pense qu'on va avoir le droit à du joyeux comité d'accueil. Des berserkers aussi. Non, ça sent le joli beau monde. On va se diriger tout doucement. Vers la mêlée, normalement on devrait pouvoir la choper. Affirmatif. Ah zut, j'ai oublié de l'équiper. Toujours au fusil mitrailleur, elle. Affirmatif. C'est pas très très grave, mais ça m'embête quand même. Voilà. Ouais, un mectoïde et deux sectoïdes. Ouh la vache, ça c'est un sniper de malade. 10. Mon dieu, que c'est magnifique ce sniper. Il y en a un qui monte sur le toit. Et qui se casse. Lol. Allez, tu me le one-shot. Et bam! Magnifique. Et quand je dis magnifique, c'est très magnifique. On va se mettre là. Comme ça, je pourrais récupérer le conteneur. Ah oui! D'accord. On va récupérer la mêlée. On a un joli petit 100%. Ah oui, par contre, j'ai oublié un truc. On a les réflexes éclairs, voilà. On fait tomber sa vigilance. Donc on a un 79 et un 49. C'est que c'est un alpha. Qui est potentiellement très très embêtant. On a 86, 89, 86. Gâchette rapide. Est-ce que je fais une gâchette rapide? 71. Allez. Ok, 10. C'est pas mal. Position confirmée. On va faire intervenir notre CEM. Est-ce que j'aimerais... Est-ce que ça touche les deux? Non, ça en touche qu'un. Ça en touchera qu'un. Allez, toc. Comme ça, il n'y a plus de mectoïdes. Donc, plus de gros dégâts en vue. Tu vas nous faire une fusillade. Toi, tu vas avancer d'un coup. Oh la vache, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des mectoïdes ici par contre. Je pensais qu'on avait vu tout ce qu'il y avait dedans. Tu me le tues. Ah. Toi par contre, faut que je te mette quelque part où tu pourras lancer ta roquette au prochain tour. Tu vois qui ?
C'est pas mal. On va peut-être... Non, t'es sérieux, 80% tu rates. Lui, il va contrôler quelqu'un. Ok, ça va. Ça va aussi. Ah non, il le booste. Aïe. Ouais, deux, c'est bon. Capteur réactif en plus. Raté. Bon, c'est un peu embêtant, mais ça va. Donc là, on peut faire un joli petit carton quinté plus à coup de roquette. Où est ma roquette? Par contre, ça va faire, ça va exploser. Mon mec, qu'on va te reculer un peu. Voilà. On va sortir l'artillerie lourde. Bon, ça va détruire la mêlée, mais c'est pas très grave. J'ai touché un de mes persos, comment j'ai fait? C'était pas ça prévu. On va faire toi 55 et 1002. Voilà. 69, 59. Quoique. Est-ce que tu le vois le petit sectoïde? Oui. 80. Tu me le tues cette fois. Je m'en suis occupé. Un petit 100%, tu me l'élimines. Ou presque. 8. Bien. 69. On va se rapprocher. 82. Éliminé. Ah, il y a encore un tour. Je suis en route. 100% éliminé. C'est plus une menace. Il reste encore du monde. Il reste encore du monde, d'accord. Du coup, on va se mettre en mode attente. Toi, tu vas te cacher. Position confirmée, la proximité. Ah oui, d'accord. Il restait un peu plus de monde que ce que je pensais. 5, c'est pas mal. Et un joli petit tir dans sa face. 9, allez. C'est génial ce sniper. Alors du coup, on a un 49 ici, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, on va regarder s'il n'y a pas autre chose. Tu le vois pas? Je bouge. Ah, voilà, tu le vois. 7, est-ce que ça le tue? On va pas prendre de risque, on va faire une gâchette rapide, voilà, vous voyez, à 5, c'était pas suffisant. Tout de suite. Là ça va mieux. Alors toi, il va falloir que tu ailles soigner ce mec-là. Donc tu files. On a un 49, est-ce que tu peux me le toucher? Raté, bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ah oui, 8 quand même.
double 8, je prends des très gros risques en fait. J'y vais en mode gros bourrin trop souvent. Alors 87, tu me le tues. Voilà. Toi tu vas healer. Toc. Pas de problème. Par contre, c'est l'autre perso là qui a reçu un jeu de 10-16 dans la figure. Ce qui fait pas forcément du bien. 29. C'est ridicule, mais si tu me le tues. Ouais. Je m'attendais un peu à ça. Je vais bientôt être à sec. Aucun contact avec la cible. Toi tu vas aller voir le sapeur. Et toi, est-ce que tu peux envisager un truc? Oh yes. Je peux même faire plus qu'envisager. Plus t'as juste plus de couverture, ou presque. Voilà, vigilance. Exactement ce qu'il fallait que tu fasses. Non, soin. Doucement, soldat. Allez. Plus qu'un autre medikit, ça sera bon. Ah yes, tu le vois. Sauf que j'ai pas assez de munitions. Pas grave. Et voilà. J'ai un peu détruit la maison, mais c'est pas grave. Une victoire de plus. Bien joué, commandant. Et on a super bien géré une nouvelle fois. C'est nickel. Bon, par contre, on a un blessé 8 jours, ce qui m'embête un peu. Hop, 200. N'oubliez pas. C'est pas mal, on était à 0. Du coup, sur Annette n'est pas révélé grand chose qui justifierait l'intérêt que les aliens lui portent. Après analyse structurelle de son cerveau, j'ai trouvé des traces de trauma précis. Il me semble clair qu'elle présente une capacité psionique latente, quelque chose que nous n'avons pas encore vu sur le terrain. J'espère qu'elle finira par reconstituer le fil des événements. D'accord, donc ça coûte 312 pour équiper nos CEM, ça va être un petit peu énorme. Du coup, on va faire une nouvelle armure titan, déjà. Oui. Donc on a un blessé 8 jours. Il reste 56. Est-ce qu'on n'aurait pas un satellite à lancer? On n'a aucun satellite de disponible. Ingénierie, production. Ah, évidemment, ça coûte 59, j'ai 56. Marché gris. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Une allumette. C'est pas mal. C'est 20 jours pour un satellite. Alors, la communication avec Paris Perron, c'est fini. On peut faire un relais à hyperonde. C'est dans la suite des événements. On va faire le nouvel avion, comme ça si on a des problèmes avec les avions, bah, ça sera plutôt facile. Et on a le rapport du conseil. Rang A plus 555. Wow. On va se méfier ici par contre. On a obtenu 6 scientifiques et 2 ingénieurs. Ah ah, on a une opération secrète dans pas longtemps. Du coup, on a quand même pas mal d'argent. Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin. On va pouvoir faire la dernière titan. Nous sommes toujours ravis de recevoir ah non, deux. Il m'en faudrait deux. Donc on va pouvoir faire une titan. Voilà. Il faudrait que je fasse un nouvel avion. Je vous remercie des efforts que vous faites pour et on va attendre. Alors, sécuriser les données.
bah ça fait 20 minutes. Du coup, je vais arrêter là cet épisode. Bah ouais, on va... C'est bien, là, comme ça, le début de la prochaine vidéo se fera en mission. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !